Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans notre numéro spécial design, visite au cœur de la Fondation Giacometti, dédiée à l'œuvre du sculpteur éponyme dans tous au musée. À la manière d'un ensemblier, Jean-Pierre Tortil tisse un lien design dans les intérieurs. C'est notre invité. On décrypte la mode pour vous avec la tendance de l'upcycling, l'art de faire du neuf avec du vieux. Aurore Piette prélève dans l'estuaire de la Gironde de précieux morceaux de nature qu'elle transforme en objet d'art dans le geste. Et avant de rencontrer le créateur Jean-Pierre Tortil, tout de suite, point de vue. L'œuvre du jour est un véritable pied de nez au monde de l'art. Génie ou roi de la provoque, Marcel Duchamp réalise en 1917 l'une des œuvres les plus controversées du XXe siècle. Fontaine est un urinoir industriel que rien ne destinait à finir sur le devant de la scène. Présenté au Salon des artistes indépendants de New York, on refusa de l'exposer. Il fut alors immortalisé par le photographe Albert Stieglitz avant de disparaître. S'il existe des copies, une reproduction fut réalisée sous la supervision de Duchamp, culottée. Avec cet ouvrage, on fait rimer design et militantisme. Car oui, la production de certaines pièces est très gourmande en énergie ou parfois composée de matériaux polluants. Ici, on nous présente 75 designers qui ont choisi de transformer nos déchets, d'apporter des solutions innovantes pour améliorer la qualité de l'eau, de l'air, de l'alimentation, bref, de s'inscrire avec conviction dans la préservation de la planète. Un beau message pour le monde du design et surtout pour notre avenir. Fluide et tout en légèreté, le fauteuil Tulip ou Little Tulip est né de l'esprit créatif de Pierre Paulin, l'un des plus grands représentants français du design. S'inspirant des courbes élégantes d'une fleur en train d'éclore et de l'esprit pop du moment, il conçoit ce mobilier en 1965. Il innove ainsi aussi bien dans le choix de la forme que dans celui des matériaux. Piétement métallique stable, pivotant ou non, et assise enveloppante aux matières variées, de quoi donner envie même aux moins jardiniers d'entre nous. De longues silhouettes décharnées qui se dessinent ou encore des femmes aux lignes envoûtantes, c'est bien là la patte de Giacometti, découverte de la fondation qui lui est dédiée. Giacometti s'appuie vraiment sur son regard. En regardant quelqu'un marcher au loin, en fait, il ne voit plus qu'une silhouette. Et donc, c'est cette silhouette-là qu'il essaye de saisir et de transposé dans sa sculpture. On se retrouve vers une forme comme ça d'épure du corps qui reflète l'humanité. On ne peut pas savoir s'ils sont vraiment contemporains de notre temps, contemporains du temps de Giacometti, ou si ce sont des objets d'archéologie en fait. C'est dans une ambiance intimiste aux airs de maison de collectionneurs que l'Institut Giacometti met en scène l'œuvre du plus célèbre des artistes suisses. Nous sommes dans l'ancienne demeure au style art déco de l'architecte Paul Follot, artiste contemporain et voisin de Giacometti. C'est moins la relation à Paul Follot qui nous intéressait que la localisation à Montparnasse, puisque Giacometti est un artiste qui a fait partie de la scène de Montparnasse, qui s'installe à Paris dès 1926 et qui va passer toute sa vie dans le quartier de Montparnasse, à quelques rues d'ici. Resté longtemps inaccessible au public après la mort de l'artiste, c'est un patrimoine rare que l'on découvre des tours des pièces et des couloirs, comme cette lithographie qui nous vient d'outre-tombe. Ici, on a les portes du tombeau Kaufmann qui ont été commandées par Kaufmann, un riche collectionneur américain, à Giacometti pour son propre tombeau, le tombeau de sa famille. Et là, on voit vraiment la technique où Giacometti dessine directement dans le bas-relief, dans une plaque de terre, cette espèce d'arbre de vie et de mort, en fait, qui symbolise vraiment les deux étapes de l'existence humaine. Toute sa vie durant, l'artiste n'aura en effet qu'une obsession, modeler l'existence humaine le plus souvent à partir d'un modèle vivant. On peut avoir le sentiment, quand on regarde les têtes de Giacometti, qu'il y a quelque chose de très spontané, voilà, une matière comme ça, vraiment on voit qu'il modèle la terre pour arriver à effacer un peu les traits et en même temps
définir un visage presque universel. Et en fait, on sait, d'après les témoignages des modèles, que Giacometti aimait qu'il pose vraiment très longtemps, parfois pendant plusieurs jours. Et on voit dans les films que Giacometti essaye de saisir ce temps qui passe, en fait, ce temps qui passe entre lui et le modèle, pendant la durée de la pose. Des heures de tête-à-tête qu'il passait avec ses modèles et avec lui-même dans son tout petit atelier que le musée a ici entièrement reconstitué. C'est à peu près la taille d'origine, donc il fait 24 mètres carrés. Et c'est un atelier que Giacometti loue en 1926 quand il a terminé ses études à la Grande Chaumière. Donc c'est vraiment au départ la taille de l'atelier d'un jeune artiste qui débute. Ce qui est plus étonnant, c'est que en 1966, quand Giacometti meurt, il occupe toujours le même atelier, alors que c'est un artiste mondialement reconnu qui est collectionné par les plus grands musées. Donc il y avait largement les moyens de changer d'espace. Donc c'est vraiment une volonté pour Giacometti de rester dans cet atelier qui est donc à la fois un lieu de travail qui a vu passer toutes ces grandes périodes, mais aussi un motif qu'on retrouve dans ses dessins, dans ses peintures, puisque Giacometti aimait travailler d'après le réel. Et donc quand il n'avait pas de modèle qui pouvait poser pour lui, il dessinait ce qu'il avait sous les yeux, donc ses propres sculptures ou ce mobilier qu'on voit ici, qui était déjà là dès 1926 et qui n'a pas bougé. Ces outils ont encore l'empreinte des couches de plâtre et on peut encore admirer sur les murs, récupérés par la veuve de l'artiste, de nombreuses esquisses préparatoires. Donc c'est plutôt l'évocation d'un atelier encore vivant, puisqu'on a la chaise de chevalet, on a même, Annette avait même gardé le cendrier avec le mégot, et donc on a presque cette sensation que Giacometti vient de quitter l'atelier, il est dans un café de Montparnasse et il pourrait revenir à tout moment. Jean-Pierre Tortil, directeur artistique, scénographe et designer d'intérieur, crée des ensembles design grâce à son œil affûté. Ce qui me plaît, c'est l'éclectisme, c'est la rencontre. Il y a une chose à laquelle je crois profondément que j'appelle le métissage, donc le métissage des cultures, le métissage des langages. C'est ce qui permet de faire un petit peu, même pas un petit peu, même beaucoup, évoluer en fait le vocabulaire, les sensibilités qu'après vous exprimez par des lignes, par du mobilier, par du textile. Jean-Pierre Tortil n'est pas vraiment du genre à se ranger dans une case. Designer, éditeur et décorateur, grâce à une expérience plurielle chez des galeristes, des architectes, il endosse aujourd'hui tous ses rôles avec quelques maîtres mots. Savoir créer, savoir dessiner, savoir fabriquer, mais surtout également comprendre l'essence des gens, comprendre l'essence d'un projet, essayer de décortiquer, je dirais, ce qu'a la personne dans son esprit. Dans l'atelier qui porte son nom, il imagine des intérieurs, des tapis, des meubles, et ses sources d'inspiration ne connaissent pas de limites. Ça peut être la musique, ce sont des couleurs, ce sont des mobiliers, ce sont des rencontres avec des pièces, avec des œuvres, avec des personnes. Puis aussi après une histoire que vous avez envie de raconter. Le mobilier est une passion pour lui et en quelques coups de crayon, Jean-Pierre Tortil donne forme à ses idées, des formes sobres et intemporelles. Je suis très mental et généralement, effectivement, j'ai la forme et les matériaux viennent presque en même temps. J'aime cette sobriété, cette simplicité et qui, effectivement, requiert aussi une très belle fabrication. Pour anticiper cette réalisation, il ne s'attarde pas longtemps sur le papier. Ce qu'il préfère, c'est prendre son ordinateur pour imaginer ses futurs meubles sous toutes les coutures. Là, je construis le meuble, je travaille en plan. Donc ça me permet effectivement tout de suite d'aller beaucoup plus loin dans son travail de courbe, de ligne. Et puis tout de suite, je me mets également dans la peau du fabricant.
Donc, c'est-à-dire comment effectivement arriver à lire le dessin, à l'interpréter pour ensuite effectivement le transcrire. Un indice de plus s'il en faut que Jean-Pierre Tortil ne peut s'en tenir à un seul métier. Et ce n'est pas fini. Dans cet atelier, une bibliothèque bien particulière illustre une autre passion, le textile et surtout les tapis. Toujours à la croisée des rôles, il travaille en ce moment sur une boîte d'échantillons destinée aux architectes et décorateurs. J'associe en fait le tapis ou le textile à l'architecture. C'est enfin, voilà, quelque chose de similaire dans son travail de construction et d'élaboration. C'est aussi effectivement une palette de savoir-faire, de techniques, de couleurs, de rendus, d'expressions, mais absolument énorme. De tous ces savoir-faire est né son atelier, au cœur du quartier des antiquaires et galeristes, sur la rive gauche de Paris. Un environnement fécond et riche d'idées, mais aussi bien stratégique pour placer son adresse sur le chemin de tous les créatifs. L'atelier Tortil, c'est vraiment un lieu de rencontre, un lieu de dialogue, un lieu de collaboration, tout en respectant l'identité et l'expression de chacun des créateurs et des intervenants. Ce jour-là, il reçoit la visite de Charlotte Bilgen, architecte d'intérieur. Ensemble, ils travaillent sur le projet d'une collection de tapis. Je t'ai rapporté les dessins avec les différentes options. Ici, moi, j'ai les dessins techniques, comme ça, ça permet de voir déjà les premiers échantillons. Moi, j'arrive avec une idée, mais je considère que Jean-Pierre, il en apporte une autre. C'est-à-dire que toute sa partie enrichit mon projet. Parce qu'il y a vraiment les deux personnalités, les deux savoirs, les deux regards. Et il y a tellement de possibilités que, oui, ça apporte une vraie richesse au projet. C'est génial, c'est vraiment un travail, je dirais, à quatre mains. À travers les continents, les savoir-faire, les disciplines, Jean-Pierre Tortil trace sa route avec un maître mot, le partage. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Katharina. Jean-Pierre, designer, architecte d'intérieur, scénographe, éditeur, vous êtes un peu tout ça à la fois. Parfois, ça peut paraître un petit peu étrange ou confus pour les personnes, mais c'est vrai que j'ai un parcours assez éclectique. Je suis quelqu'un, effectivement, qui aime se confronter à différents types d'écriture, différentes situations, et effectivement, mon parcours m'a permis de passer par l'architecture d'intérieur, par le mobilier, et puis quelque chose d'assez exceptionnel aussi, qui était l'expérience de la scène en tant que scénographe quand je vivais au Brésil. Vous êtes un peu ce qu'on appelait autrefois un ensemblier. Merci, ça me fait plaisir d'entendre ça. Je dirais que c'est effectivement ce qui m'a complètement nourri, puisqu'avant de travailler effectivement avec Michel Boyer ou André Poutman et pas après seul, je travaillais dans le monde des galeries. Et c'est là où j'ai vraiment découvert, je dirais, les artistes décorateurs, le mobilier du XXe siècle, qui est une grande passion, et effectivement tout ce que cela comporte, aussi bien le mobilier, la décoration, donc le maître ensemblier. Alors, vous venez de le dire, vous avez fait un peu vos gammes chez des grands comme Michel Boyer, comme André Poutman. Vous avez travaillé dans des galeries des arts décoratifs du XXe siècle. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là, de cet enseignement, de ce monde ? Je retiens alors une chose extrêmement importante, je dirais l'acquis de la connaissance, la curiosité. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, je dirais, et ce sont des personnes qui m'ont nourri, qui m'ont permis aussi de pouvoir accéder à beaucoup d'informations, notamment les galeries dans lesquelles je travaillais à l'époque, étaient Denis Bosselet ou Jacques Devos. Après, ce qui était extrêmement important, je dirais, c'était rencontrer des gens comme Michel Boyer, bien évidemment André Poutman, où là, j'ai pu, je dirais, rentrer dans un autre monde qui était le monde de l'architecture intérieure, mais également le monde de l'édition de mobilier. Vous avez vécu également plus de 10 ans au Brésil. Oui. Qu'est-ce qui vous évoque ce pays, puisque plusieurs de vos collections, notamment Saudade, sont inspirées de ce séjour, de ce pays, de cette culture? C'est la vie qui m'a emmené effectivement au Brésil. Donc, à l'époque, moi, je travaillais beaucoup sur Londres. J'étais en train vraiment de développer ma carrière en solo sur Londres. Et puis voilà, il y a un parcours, il y a une rencontre qui s'est faite, qui m'a effectivement conduit vers le Brésil. Donc, un pays que j'ai découvert, un pays qui m'a complètement, je dirais, adopté, et dans lequel je me suis beaucoup, je dirais, nourri, de par ses arts décoratifs qui sont extrêmement importants, et puis aussi son humanité,
qui fait vraiment, je dirais, la chaleur et la magie du Brésil. On m'a dit de vous, tout ce qui touche, ça devient de l'or, ce qui était un très beau compliment. ce qui veut dire que vous pouvez vous exprimer dans n'importe quel domaine, et on le voit, que ce soit le mobilier, le tapis, le bois, tout devient beau. Ben écoutez, je vous remercie, et je ne sais pas qui a dit ça, mais j'avoue, ça me touche énormément. C'est une passion dans ce que je fais, une passion surtout avec les gens que je rencontre également, que ce soit aussi bien designer, que ce soit les ateliers. J'adore être dans les ateliers. C'est là où vous voyez la transformation des matières qui vous fait, je dirais, rebondir sur d'autres choses. Mais finalement, il y a quand même un fil conducteur, je dirais, qui lie tout ça. Peut-être une certaine, je dirais, rigueur, une certaine, je dirais, vision, mais je n'aime pas être cantonné. Je suis quelqu'un d'extrêmement libre et j'aime pas être effectivement cantonné dans une case. Qu'est-ce qui caractérise un beau meuble pour vous ? Est-ce que c'est l'intemporalité ? Est-ce que c'est l'harmonie, les proportions ? Il y a cette notion d'intemporalité, oui, qui pour moi, je dirais, est une chose qui me touche beaucoup. Mais enfin, un beau meuble, je pense, c'est aussi sa proportion, son dessin, sa qualité, sa fabrication. Vous êtes aussi architecte d'intérieur. Vous avez récemment décoré le Gabriel à Bordeaux. Oui. Quels sont les premiers réflexes en abordant un nouveau lieu ? La chose primordiale, c'est la rencontre déjà avec le client, qui pour moi est une chose essentielle, et la rencontre aussi avec le lieu. Donc effectivement, pour reprendre là, l'exemple du Gabriel qui est tout à fait récent, c'était bien évidemment écouter effectivement, le brief de la propriétaire et surtout du chef Alexandre Bromard, et donc comprendre, je dirais, leur discours, leur vision, ce qu'ils souhaitaient effectivement de l'espace. Et ensuite, je dirais, c'est toujours tout projet pour moi est un projet, je dirais, à 4 à 6 mains. C'est une réunion justement de savoir-faire, parce que ce qui compte pour moi avant tout, c'est le résultat, c'est la pièce qui va effectivement sortir de ça. Merci Jean-Pierre. Merci Katharina. Si la mode est une des industries les plus polluantes, certains créateurs mettent un point d'honneur à utiliser et réutiliser les matériaux déjà existants pour créer. C'est l'upcycling. Ces derniers temps, la mode est à l'upcycling, qu'on appelle aussi surcyclage pour ne pas froisser l'Académie française. Le principe, réemployer d'anciens vêtements déjà portés ou des stocks de tissus inutilisés pour en tirer de nouvelles créations et réduire au maximum le gâchis. Autrement dit, l'upcycling, c'est faire du neuf avec de l'ancien, qu'il s'agisse de transformer un vieux pull en robe ou une couverture en manteau. C'est ce qu'a fait la créatrice uruguayenne Gabriela Hirst, directrice artistique de la maison Chloé. Pour sa collection automne-hiver 2021, elle a notamment composé des vestes à partir de restes de tissus des saisons précédentes. Elle a aussi récupéré des sacs à main vintage auxquels elle a appliqué des bandes de cachemire ou de cuir recyclé. Des modèles nouveaux qui n'ont nécessité aucune production. Mais d'ailleurs, l'upcycling, ça vient d'où ? C'est Martin Margiela, créateur belge révolutionnaire, qui a lancé le mouvement à la fin des années 80 en faisant défiler des vêtements taillés dans d'anciens t-shirts, dans des perruques ou même dans des sacs plastiques. En 1989, il présente ses créations upcyclées dans un terrain vague du 20e arrondissement de Paris. Le scotch remplace les coutures ou fixe le vêtement à même le corps des mannequins qui défilent main dans la main avec les enfants du quartier. La magie Margiela opère et ouvre la voie. Dans les années 90, le Sénégalais Lamine Badian Kouyaté est l'un des premiers ambassadeurs de l'upcycling. Pour sa marque Xulibet, il taille des robes dans des chutes de tissu ou retravaille des vestes achetées dans des friperies. En 1994, il inspire même au réalisateur Robert Altman le personnage de Sai Bianco dans son film Prêt-à-porter, pour lequel il imagine une collection entière. Dans les années 2000, la créatrice Maroussia Rebec devient le visage français du mouvement avec sa marque Andrea Cruz, qui se fait connaître pour ses défilés performances et ses collections exclusivement réemployées. Petit à petit, la pratique s'installe, si bien qu'en 2021, Xulibet fait son grand retour à la Fashion Week parisienne. La mode a pris conscience des désastres écologiques qu'elle engendre et l'école Margiela prospère, portée par une nouvelle génération de créateurs soucieux de produire moins et surtout mieux. Comme la Française Christelle Cochet, qui a collaboré avec le PSG sur des maillots de foot transformés en pièces couture, ou l'Américaine Emily Baude et sa mode upcyclée tout en poésie et patchwork traditionnel.
Désormais travaillé à échelle industrielle, l'upcycling fait aussi évoluer l'imagerie de la mode. Il s'inscrit souvent dans des collections futuristes, une esthétique chère au créateur géorgien Demna Vasalia, à la tête de la maison Balenciaga. Mais la tête de file de cette génération, c'est la jeune créatrice Marine Serre, adepte d'une mode apocalyptique et éco-responsable, qui taille des robes dans des vieux tapis de nos grands-mères ou dans des combinaisons de plongée. Elle veut faire de l'upcycling une norme et c'est plutôt bien parti. Déjà enseignée dans les écoles de mode, cette pratique se démocratise et pourrait bien transformer pour de bon notre rapport aux vêtements. Des sédiments aquatiques, du calcaire caché au creux des rochers, Aurore sait cueillir dans la nature de quoi créer des œuvres pleines d'histoires girondines. C'est le geste. Quand j'étais petite, on venait voir mes grands-parents qui habitaient donc à Méché. Et forcément, on allait jouer sur la plage. Et au moment de la baignade, donc au plus on avançait dans l'eau, au plus la surface du sol devenait visqueuse et pâteuse. Et donc c'est en fait quelques années plus tard qu'en la revoyant, en la recontextualisant dans un autre domaine, qui est en fait le domaine du design, la recherche de matière et d'application, et j'y suis retournée. À marée basse, et j'ai un peu observé cette matière, j'en ai collecté, et j'ai commencé à faire des expérimentations, à la manipuler, à la tester tout simplement, pour voir jusqu'où elle pouvait aller. Artisane de la mer, comme elle se nomme, Aurore Piette, portée par ses études de design à la St. Martin's School de Londres, crée en harmonie avec la nature des pièces de céramique uniques, avec pour terre les sédiments de Méchères sur Gironde. Un tout autre paradigme qu'elle a dû apprivoiser. C'est une terre... assez du coup très malléable, assez liquide, pâteuse, visqueuse. En fait, elle est vraiment imbibée d'eau. Et lorsqu'elle va sécher, vraiment, il va y avoir un taux de rétractation énorme. Parce que forcément, elle présente une composition en eau qui est très très importante. Bercée par le bruit des vagues, ses escapades régulières le long des falaises représentent la base de sa pratique, mais aussi de son inspiration. Je m'inspire pas mal de la topographie principalement, parce que ce qui est reconnu et caractéristique du lieu, c'est vraiment ces falaises qui sont vraiment blanches et qui se décrochent sur le ciel ou sur la mer. Ça crée vraiment un contraste, à la fois de texture, de relief, de lumière aussi. Travailler avec la mer, je pense que ça apporte tout d'abord un côté humble, parce que la nature prédomine dans la pratique. C'est à moi de m'adapter à elle. Selon les marées, je peux ou pas collecter la matière, celle qui va un petit peu me guider dans ma pratique. Et puis donc ce côté humble, c'est parce que je dépends d'elle. Elle me guide dans la quantité de matière, dans le temps, qui sera du coup mon propre agenda. Cette terre, plus humide et gorgée de sel, présente des caractéristiques qui ne lui permettent pas d'appliquer les codes classiques de la céramique. Aurore a dû se réinventer et composer en harmonie avec cette matière. Il va falloir apprendre la patience, donc c'est vraiment un côté un peu méditatif, passion, c'est un travail de la matière. Une pièce, il va falloir que j'y revienne jour après jour, vraiment ça va prendre des semaines, c'est pas du tout une pratique comme celle d'une céramiste qui utiliserait une terre qui est toute prête en fait. J'ai pas une étiquette sur laquelle est écrit température de cuisson optimale, rendu après cuisson. Moi, j'ai un petit peu fait mes tests moi-même. Et parce qu'Aurore ne fait décidément rien comme tout le monde, ses émaux, à elle, se trouvent également sur cette plage, dans les hauteurs. Donc en fait, dans les petites cavités, on peut retrouver cette petite poudre blanche, qui en fait est juste du calcaire qui a été érodé et qui vient se déposer sous forme de poudre. Hop. Et dans mes productions, en fait, cette poudre de calcaire, je viens l'utiliser en finition de pièces. Dans cette démarche en autarcie, Aurore a aussi construit son propre four dans son deuxième atelier à Albi pour la cuisson de toutes ses pièces uniques. J'ai quand même souhaité créer mon propre four.
vraiment à même le sol. Et ensuite, à la main, j'ai monté colombin par colombin, strate par strate, jour après jour, le four. Et donc, selon leur position dans le four, les pièces, elles vont être plus ou moins en contact avec le feu ou avec les gaz, ce qui leur permet vraiment d'avoir une gamme colorée différente et distincte. Parfois, une pièce va protéger une autre des flammes, et donc elle va avoir une zone un petit peu ombragée, plus brute. Portée par ses études de design, Aurore ne s'arrête pas à la céramique, mais expérimente sans cesse pour créer un intérieur cohérent, dont la matière serait la même, mais travaillée avec des techniques différentes. Mobilier en bois flotté et torchis, enduit mural et tomettes, la matière n'ayant toujours qu'une seule et même origine, Méchère sur Gironde. Version française est déjà terminée. J'espère que ce numéro spécial design vous a plu. On se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!